Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir. Nous nous retrouvons encore pour partager le périple du président de la République dans le Kasaï. Alors, dans cette émission, nous allons vous montrer le déplacement du président dans le territoire de Dibaya, précisément au site des chutes Katende sur la rivière Lulua. Mais avant de visionner ces images-là, nous allons exulter un peu de joie avec une chorale religieuse kassaïenne. C'est un projet qui intéresse au plus haut point le Grand Kassai et particulièrement la population de Kananga. Le barrage hydroélectrique de Katende sur la rivière Lulua, à une centaine de kilomètres de Kananga, devrait améliorer sensiblement la desserte en eau et électricité dans cette partie du pays. Ce projet tient à cœur le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a réservé sa première descente de terrain pour l'année 2022 dans les territoires des Dibaya. Sur place, le président de la République a fait le constat amer. Les travaux sont arrêtés et les herbes sauvages ont envahi le site. L'une des raisons de cet abandon est l'épisode Kamouinansapou qui a tout ralenti. La présence du chef de l'État a apporté une lueur d'espoir. Le matériel bloqué à Lubumbashi a été totalement acheminé pour poursuivre les travaux. Tous ceux qui ont passé dans
à la tête du pays n'ont pas pu le faire. Alors, et il est le premier président à mettre pied sur le site. Alors, nous voyons qu'avec sa présence, dès que les travaux seront relancés et achevés, notre province va bien revivre et nos frères et sœurs qui chantent auront du travail et ça sera une grande joie pour la population. Vous voyez combien de gens sont là pour l'accueillir. Nous sommes vraiment ravis de sa présence ici sur cette terre et aussi surtout pour le relancement de ses activités de la chute. Avec une capacité de production de 114 MW, le barrage de Katenderé donne espoir à tout un peuple. Le gouverneur de province intérimaire Simon Kabatosuila a rappelé la préoccupation de la population. Bien, il y a exactement plus ou moins 10 jours, j'étais sur ce site. J'accompagnais son Excellence Monsieur le ministre Mwenze, venu se rendre compte de ce qui a déjà été fait, dans quel état se trouve le site, et faire rapport au président de la République. En partant, il m'a dit que sa visite était pratiquement la dernière parce que sa visite allait provoquer celle la toute dernière du président de la République, chef de l'État. Et ça nous fait plaisir que cette promesse qui nous a été faite par le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité, cette promesse s'accomplit par la présence parmi nous du président de la République, chef de l'État. De son côté, la SNEL attend de pied ferme la fin des travaux pour assurer le transport et la distribution des courants de Katéné. Nous espérons, comme le chef de l'État prend les choses lui-même en main, par toutes les autres voies, il pourra maintenant faire aboutir le projet en main. Je crois qu'il est en train de collecter les données et il nous donnera les orientations. Nous allons l'accompagner. Aux chefs traditionnels et autres personnalités présentes, le chef de l'État a dit toute sa détermination de poursuivre ce projet jusqu'à terme. C'est un projet qui intéresse au plus haut point le Grand Kassai et particulièrement la population de Kananga. Le barrage hydroélectrique de Katende sur la rivière Lulua, à une centaine de kilomètres de Kananga, devrait améliorer sensiblement la desserte en eau et électricité dans cette partie du pays. Ce projet tient à cœur le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a réservé sa première descente de terrain pour l'année 2022 dans les territoires des Dibaya. Sur place, le président de la République a fait le constat amer. Les travaux sont arrêtés et les herbes sauvages ont envahi le site. L'une des raisons de cet abandon est l'épisode Kamouinansapu qui a tout ralenti. La présence du chef de l'État a apporté une lueur d'espoir. Le matériel bloqué à Lubumbashi a été totalement acheminé pour poursuivre les travaux. Tous ceux qui ont passé à la tête du pays n'ont pas pu le faire. Alors, et il est le premier président à mettre pied sur le site. Alors, nous voyons qu'avec sa présence, dès que les travaux seront relancés et achevés, notre province va bien revivre. Et nos frères et sœurs qui chantent auront du travail et ça sera une grande joie pour la population. Vous voyez combien de gens sont là pour l'accueillir. Nous sommes vraiment ravis de sa présence ici sur cette terre et aussi surtout pour le relancement de ses activités de la chute. Avec une capacité de production de 114 MW, le barrage de Katenderé donne espoir à tout un peuple. Le gouverneur de province intérimaire Simon Kabatosuila a rappelé la préoccupation de la population. Bien, il y a exactement plus ou moins 10 jours, j'étais sur ce site. J'accompagnais son Excellence Monsieur le ministre Mwenze, venu se rendre compte de ce qui a déjà été fait, dans quel état se trouve le site, et faire rapport au président de la République. En partant, il m'a dit que sa visite était pratiquement la dernière parce que sa visite allait provoquer celle la toute dernière du président de la République, chef de l'État. Et ça nous fait plaisir que cette promesse qui nous a été faite par le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité, cette promesse s'accomplit par la présence parmi nous du président de la République, chef de l'État.
De son côté, la SNEL attend de pied ferme la fin des travaux pour assurer le transport et la distribution des courants de Katéné. Nous espérons, comme le chef de l'État prend les choses lui-même en main, par toutes les autres voies, il pourra maintenant faire aboutir le projet en main. Je crois qu'il est en train de collecter les données et il nous donnera les orientations. Nous allons l'accompagner. Aux chefs traditionnels et autres personnalités présentes, le chef de l'État a dit toute sa détermination de poursuivre ce projet jusqu'à terme. Thank you.